À chaque fois, cette sirène signale ainsi l'urgence dont l'humanité se fait montre pour pouvoir examiner et extirper toutes ces maladies. C'est quoi, les blouses blanches de la sainteté qui commencent ce soir. His word on your lips tonight. Sing his word back to him. And see if his name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Ils sont là. Elles sont là. Ils ont porté leur blouse, prêts à descendre dans les laboratoires. Bonsoir la sœur et bonsoir et bienvenue. Tu es de garde, ma soeur, parce que c'est comme s'il y avait des patients à côté de toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi on ne te voit pas alors et pourquoi tu parles doucement? Je crois que, la connexion n'est pas stable de ton côté. Je crois que tu es dans les stades de malade. Peut-être les pénicillines sont en train de passer par les ondes de ton téléphone alors. Non, j'ai trouvé un endroit qui ma connexion est bonne. Je suis dans quelques minutes. Ok, dans quelques minutes. Voilà. Le frère Gaël Temge, bonsoir. Bonsoir frère, bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, amen, amen. Pareillement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, la pression de l'école a cessé, n'est-ce pas? Et la soutenance s'est achevée et maintenant, on reprend du service, pas vrai? Oui, c'est bon. Là, ça va. Le Seigneur a fait grâce et la pression est vraiment baissée. Donc là, ça va, ça va. Ok. Comment va la famille là-bas? Elle se porte très bien. Elle se porte très bien par la grâce du Seigneur. Ça va. Le Seigneur fait grâce. Actuellement, il n'y a vraiment pas de plainte. Rendons grâce au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le frère Cyril, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Félicitations, frère Gaël. Merci. Pour le client, pour le Seigneur. Amen. Voilà. Merci, merci. Mais pourquoi on ne le voit pas, on ne voit non plus les autres frères là? Pour moi, avec ma position là. Je crois que là, comme j'ai le téléphone,
sais pas si vous voyez. Pas la machine dont je suis sur le téléphone actuellement. Un peu de bruit chez moi. Les Italiens sont en train de faire des désordres là. Voilà. Le frère Yacine, bonsoir. Bonsoir, mes frères. Profite de l'occasion pour faire que les félicitations aussi de prendre. Pourquoi ce son-ci n'est pas bon? Je ne sais pas si c'est chez moi que le son ne vient pas bien. Merci, frère. Non, c'est partout. Le son est un peu flou là. C'est très bas. Oui. Bon, il faut qu'on arrange ça. Merci beaucoup, frère. Bon, vous m'entendez quand même, n'est-ce pas? Oui, on t'entend très bien. Oui, on t'écoute bien. Ok. Est-ce qu'on peut commencer ce soir? Évidemment. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut commencer par ces différents. Bon, j'aurais souhaité que nous commencions par cet autre fait divers qui s'est passé il y a cela quelques jours au Pas de Calais où un patient dit avoir été bousculé, insulté par un médecin aux urgences. Au rang du fier dans le Pas de Calais, un patient reçu en urgence aux urgences pour une déchirure musculaire affirme que le médecin urgentiste qu'il a pris en charge, l'a insulté, puis bousculé. Il a porté plainte. Frère Cyril, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un médecin qui est censé, et en plus un urgentiste, au lieu de prendre soin du patient, l'insulte copieusement et puis le bouscule? Pour comprendre ça, il faut se retrouver à l'hôpital quelques retours d'urgence et la réponse va il va être émis spontanément. Parce que les conditions de travail, malheureusement, sont souvent très, très mauvaises. Et ce qui fait que quelqu'un n'a pas vraiment la tête sur les épaules, ou si quelqu'un n'a pas la grâce d'avoir le Seigneur comme soutien, on a vite fait des sorties dans des secondes. Hein. Parce qu'en même temps, il y a des patients qui provoquent. Ils se plaignent, par exemple, qu'ils ont trop attendu. Mmh. Ils oublient que les urgences, ce n'est pas celui qui vient le premier, mais il s'agit souvent de celui qui a le plus promptement besoin de soins. Et il y a une forme de frustration venant des patients qui s'accumule au stress et à la frustration du médecin. Et ça donne très souvent ce cocktail positif. Hein. Mmh. Ça, ce n'est même pas. Ça, c'est même rien. Il y a seulement des gens qui en vont aux mains. Hein. Donc, il arrive que les gens de la blouse blanche qui sont censés calmer les nerfs, leurs propres nerfs sont tendus, quoi. Ah, c'est facile. C'est pas facile. Voilà. Dans le Var, c'est une pharmacienne qui avait été condamnée le 15 juillet dernier pour. C'était une pharmacienne. Pour escroquerie, elle a été condamnée à payer une amende de 752 000 euros pour escroquerie à la CPAM. Cette femme avait mis en place un système de fausses factures pour se faire rembourser indûment des médicaments. Le frère Gaël, c'est comme ça vous les pharmaciens vous faites? Bon, le pharmacien veut parler maintenant. Vous avez remarqué, vous écoutez sur Bambaïba,
Lorsqu'on touche les cas de défense des hommes, les hommes en blanc essayent de tant bien que mal de défendre les leurs. Le frère. Donc. Oui, je dirais que en réalité, c'est quelque chose qui existe un peu de partout. Ce sont des milieux où les personnes sont beaucoup tentées, quoi. Mm. Et je pense que c'est aussi dû à la précarité et parfois des conditions de travail. Parce que contrairement à la médecine, il y a beaucoup qui trouvent dans la pharmacie un business, quoi. Mmh. Donc, ça fait que beaucoup de pharmaciens sont englués dans des choses un peu étranges. Mmh. Trafic de drogue, les évasions fiscales, les choses de ces gens. Et donc, c'est pas rare, en tout cas. Mmh. C'est pas rare. Et si on n'est pas vraiment dans le Seigneur, c'est très facilement, on va se retrouver dans ça. Parce que les pharmaciens ont en fait accès à... Ils ont la facilité de pouvoir non seulement distribuer, utiliser les produits chimiques. Et en même temps, il y a beaucoup d'argent qui circule par là. Et ils peuvent facilement... Je vais dire comment... Ils peuvent facilement mettre sur pied des processus pour échapper au contrôle des agences de fiscalité et autres. Oui. Ça arrive même ici en Italie, c'est très courant. Très courant, vraiment. Donc ça veut dire que même les Blancs, ça ne les laisse pas alors. Bon, je crois que c'est eux qui ont commencé. C'est vrai que quand les Camerounais vont faire la Femania partout, ce sont eux, c'est chez eux qui a le grand frère alors. Quand ils volent vraiment, c'est grave, hein, c'est terrible. Oui. Donc, quand ils frappent, c'est pour ça que la justice a frappé celle-ci à 752 000 euros. Oui, oui, oui. Ils ont souvent des systèmes compliqués. Dernièrement, ici en Italie, ce sont des pharmaciens et des médecins qui se sont mis. Ils ont fait toute une association qui, je crois, ça a fait plus de 15 ans. Donc, pendant 15 ans, ils avaient mis sur pied leur système. Imaginez-vous, avec tous les contrôles qu'il y a dans ces États, on réussit quand même à mettre sur pied un système qui dure si longtemps, où on échappe au contrôle fiscal. Il y a ce qu'on appelle ici la boîte de finances. Des choses pareilles, si ça leur échappe pendant toutes ces années, soit c'est qu'il y a une top dans l'administration, soit c'est que le système est bien ficelé, quoi. Donc, ce sont des choses qui sont courantes. Dans le chapitre des faits divers ce soir, avant que nous entamions dans le sujet qui nous concernera ce soir, c'est le cas d'une autre infirmière qui s'est vue refuser la nationalité française parce qu'elle, pour motif, gardez-vous bien le souffle, vous pouvez imaginer quel était le motif, la sœur Reine. Je crois que la sœur Reine a de travailler trop là. La sœur Reine. Oui, voilà. Donc je disais donc qu'il y a une infirmière qui s'est vue refuser la nationalité française. Ça c'était le 15 juillet 2019. Tu sais pourquoi on lui a refusé la nationalité française dans la préfecture de Val? Non. Parce qu'elle travaille trop. Voilà le motif. Ok. Voilà. Donc, vous permettez que je lise ce qui est devant moi là-bas, qui est rapporté par ce site de feudivergora.fr. Indignation générale sur les réseaux sociaux. Une infirmière francilienne a vu sa demande de naturalisation ajournée de 2 ans. Motif, infraction à la législation sur le temps de travail. La lettre publiée par un ami de l'infirmière circule sur Twitter par un courrier daté du 4 juin dernier. La préfecture de Val-de-Marne informe cette soignante de son refus de lui accorder la nationalité française. La demande est ajournée de 2 ans. Outre l'emploi que vous exercez en qualité d'infirmière au sein de la clinique de l'Orangerie depuis 2011, vous effectuez en parallèle des vacations au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil et à la fondation Rothschild. En 2018, vous avez effectué en moyenne par mois 119 heures de vacations. Point de courrier. Vous êtes ainsi en infraction au regard de la réglementation sur le temps de travail en France. Et par conséquent, nous vous refusons pour le moment la société française parce que vous avez trop travaillé. N'est-ce pas, ma soeur? Ouais. Ah, mon frère.
pas comment c'est pas... Nous, ici, c'est ça, alors, on va seulement le faire comment. Puisqu'ils nous font travailler légalement, nous, on fait les 24 heures, on prolonge, on fait les 36 heures. Sans... Alors, dans ce cas, refuser tout ça. De toute manière, c'est eux qui nous obligent à travailler comme ça. Donc, tout ça, c'est n'importe quoi. Mais on travaille beaucoup pour pouvoir survivre, pour pouvoir non seulement survivre et puis aussi sauver des vies, mais on ne vous donne pas la nationalité parce que vous avez trop travaillé. En tout cas, nous, on nous oblige à même à trop travailler. Donc, si vous voulez que je travaille moins longtemps, il n'y a pas de problème. Mais bon. Voilà. Je crois que la soeur est son... Il y a le bruit chez quelqu'un là. Moi je crois que c'est chez Tom. Il dit qu'il a son micro ouvert. Mathieu. Oui, donc c'était vraiment chez lui que le taxi commençait à démarrer, pas vrai? Là il a changé mon frère, il a dit qu'il achète le terrain pour planter le piment. Voilà, dans ce chapitre des faits divers, le frère Cyril, le frère Yassine. C'est un médecin qui a été harcelé plusieurs fois par ses patientes. On les appelle les érotomanes. Durant un mois en 2018, ce médecin du Nord a été inondé de mails par une trentaine de patients convaincus de vivre une histoire d'amour avec lui. L'affaire a été jugée le 9 juillet par le tribunal. Et puis on a dit, ce garçon c'est tellement beau au point où tous ses patients tombent amoureux de lui. Est-ce que vous subissez ces choses-ci dans vos différentes... travaille le frère Yassel. Oui, c'est pas des choses qui sont rares. Ça existe. C'est vrai que bon, actuellement, je n'ai jamais été. Donc, ce médecin est tellement séduisant que quand il sourit au patient, le patient comprend qu'il a de le draguer, quoi. Bon, parfois, tu sais, ce sont les patients qui se tournent aussi des films dans la tête. Mais 30 patients, c'est quand même déjà trop, quand même, non? Pour une seule personne? Bon, c'est vrai quand même, c'est vrai. À parfois, pour peu que tu puisses être gentil avec eux. Donc, bon, ça existe, hein, ça existe. C'est vrai, j'ai un collègue aussi qui a reçu une lettre d'une patiente de ce genre. Et bon, du coup, c'est là dans le domaine, il savait que la patiente avait... un trimois dans la tête, elle était malade mentale. Bon, mais on ne savait pas, elle était cave et puis elle lui a envoyé une lettre de plus de 2 km. Et bon, voilà, il a juste causé avec le chef. Et l'histoire était passée, quoi. Ouais, ça arrive. Ok. Je crois qu'il y a quelques fuites également, quelques petites situations de... chez toi également, il y a le... Oui, là, ça s'est fermé. On peut commencer ce soir, n'est-ce pas? Je vois seulement le frère Cyril dans mon écran. Alors, on va y aller. Alors que le monde se trouve dans un état de panique et d'incertitude chronique, les spécialistes du comportement et des événements pullulent le cosmos depuis le boom informatique pour proposer des solutions à la solitude ressentie et subie par la grande majorité de l'espèce humaine. Parmi ces spécialistes se trouvent en pole position les entreprises d'assurance qui proposent depuis la stabilité du battement de nos cœurs à nos derniers animaux de compagnie et même de nos tombes et descendants, assurant ainsi assurer nos arrières. Bon gré mal gré, l'homme est confronté journalièrement aux difficultés telles qu'un coup de main financier de ces entreprises devient comme une bouffée d'oxygène aux asphyxies qu'impose un incendie, un accident de circulation ou même un simple mal des dents ou Dieu donne la consultation chez un médecin donne des vertiges à la vue des factures. Les chrétiens face à l'assurance, c'est la deuxième partie de cette recherche de l'équilibre entre notre entendement physique et la foi en vue de repos pour toujours. Bonsoir et bienvenue.
Jesus, who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hand. With Jesus I can make it. En effet, avec le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, nous savons effectivement que quel qu'en soit ce qui vient sur notre chemin, malgré les vents et marées, nous savons que notre vie est reposée entre ses mains. C'est pour ça que nous avons cette assurance auprès de lui. Your tests and trials that seems to get you down, when your friends and loved ones, there are nowhere to be found. Remember, there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hand. Jesus, alors cette chanson s'y dit, quand vous passez par des tentations et que vous subissez des peines dans vos vies, si vos bien-aimés et vos amis vous abandonnent, souvenez-vous que vous avez un ami qui ne peut pas vous abandonner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va nettoyer votre âme. Le frère Cyril, nous parlons des chrétiens face à l'assurance. Et ici se trouve une musique qui nous donne l'assurance face aux épreuves, nous donne l'assurance face aux différentes difficultés que nous trouverons dans nos vies, et nous pointe du doigt un de ces êtres humains qui est passé sur cette terre, pas ordinaire, qui nous tient et nos vies physiques et spirituelles dans les mains, et nous pointe du doigt celui-là comme étant le chef de notre assurance. Le chrétien face à l'assurance, nous rencontrons dans la deuxième partie. Rebonsoir et bienvenue. Voilà. Dans la première partie, nous avons vu des fonds qu'en comble, comment les différents types d'assurance, l'assurance vie, l'assurance de la mort, et nous sommes posés beaucoup d'autres questions. Et il était question que nous essayons de rebriefer le sujet et puis en finir avec ce que la Bible en parle, puisque près de 36 fois, la Bible fait mention de façon directe de l'assurance, en imbriquant ces différentes 36 fois sous d'autres angles de ces assurances dont les hommes n'en font pas état. Premièrement, la question, frère Cyril, que nous sommes posés la dernière fois, est-ce qu'un être humain peut assurer la vie d'un autre être humain? Ah, si de façon, bon, si on définit le cadre de l'assurance que l'assureur, ou le prétendu assureur, veut garantir, alors on serait tenté de dire oui. Puisque lorsqu'on concrète une assurance, on te parle des termes de l'assurance et ce que X ou Y bénéficierait en cas de figure qui rend le contracteur de l'assurance bénéficiaire. Mais la vérité, c'est que est-ce qu'on peut véritablement assurer la vie de quelqu'un? La vérité, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible.
Voilà, dans mon introduction, je faisais état du fait que très souvent, lorsque les gens subissent des incendies ou bien des accidents de voiture, ou mieux encore même les visites chez les dentistes, les factures sont tellement faramineuses au point où les gens, en ayant quoi, une retombée du côté de l'assurance ou bien un rachat des produits ou bien remboursement des médicaments tels qu'ils ont vu dans le fait divers là, ça c'est un ouf de soulagement que cela apporte, n'est-ce pas, des bonnes choses de ces assurances là. Ah, c'est justement ce problème là va nous mener encore à une situation très inconfortable et ça va nous amener dans une forme d'impasse où on ne saura plus faire le distinguo entre ce qui est raisonnable et ce qui va à l'encontre de la seule assurance qu'on devrait avoir dans le Seigneur. Mmh. On a vite fait de se couvrir au niveau de l'impasse. Mmh. Parce que de prime abord, le fait d'assurer ta maison en cas d'incendie, en cas de défraction, si les bandits viennent te rendre une visite inopinée, ou bien comme c'est ça, un tremblement de terre, c'est pas moi. C'est, en principe, sur le fond, il n'y a pas forcément quelque chose de répréhensible à ce niveau. Mm. Sauf que ça met de côté la souveraineté du Seigneur qui est suivi, en fait, qui nous protège. Mm. Et qui s'occupe de toutes les épreuves qu'on peut traverser. C'est ça la difficulté des gens. Frère Siri, je reste avec toi. Peut-on assurer la mort de quelqu'un au point où les gens sont fiers de signer cette assurance, au point où s'il n'est pas là sur son conjoint? Et on voit en écoutant les différents épisodes des enquêtes impossibles de Pierre Bellemare, de se regretter mémoire, on voit comment beaucoup de femmes ont dû tuer, monter de coups pour qu'on puisse tuer le mari, pour pouvoir empocher de l'assurance vie, parce que dans son assurance vie, il était question que s'il n'est pas là, les sommes faramineuses seront versées à sa femme. Et par conséquent, à ses enfants légitimes. Et par conséquent, ces personnes utilisent des meurtriers pour pouvoir tuer les gens, pour avoir de l'assurance de leur conjoint mort. Normalement, bibliquement parlant, est-ce qu'on devrait, et la question est posée à vous toutes là, est-ce qu'on devrait s'assurer pour la vie? Et à quoi sert donc l'assurance vie pour celui qui est déjà mort? Bon, en fait, il définit ça dans un cadre particulier, c'est-à-dire que quelqu'un qui se soucierait éventuellement du divin de ses enfants, au cas éventuel, il ne serait pas là. C'est la soutane là qui définit ça. D'où ma question qui se cache derrière. Donc, quelqu'un qui va mourir se soucie de ses enfants, il confie ses enfants-là plutôt à une entreprise. Qu'est-ce qu'il devrait faire si des chrétiens nous écoutent? Qu'est-ce qu'il devrait faire normalement? Et pour ma boue, il devait confier son sort et celui de sa famille au Seigneur. Mmh. Et pour ma boue, maintenant, on est dans une société où on assure, il y a des assurances que tu ne peux pas imaginer, on assure tout. Ils doivent assurer même l'oxygène pour respirer, on assure tout. Il y a une femme qui a assuré son chat au point où quand son chat a une fracture, c'est des centaines de milliers d'euros qu'on dépense à l'hôpital pour le chat. Ça, la sœur Reine. Oui, mon frère. Est-ce que tu peux nous faire un briefing de ce que nous avons vu la dernière fois, un bref résumé avant que nous continuions ce soir dans la version biblique de l'assurance? Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, vous écoutez Blouse Blanc de la Sainteté, les médecins qui sont à votre service. Ils sont à votre service 24 heures sur 24. Vous avez besoin des gynécologues, ils sont parmi nous. Des spécialistes, ils sont parmi nous. Vous avez besoin des pharmaciens, ils sont parmi nous. Des chirurgiens dentistes, ils sont parmi nous. Ils consultent gratuitement. La seule différence avec les autres, c'est qu'ils consultent gratuitement. Ils ne prennent aucun cent franc. Contactez-nous sur Bamba Iba. Bamba Iba, c'est BAMBA, espace IBA. Ou bien vous écrivez à Junior. Junior, c'est junior@yahoo.fr. Posez des questions aux médecins, adressez-vous des courriers, des situations. Vous avez des pertes blanches, des pertes rouges, des pertes noires. Vous avez des règles douloureuses, vous avez des insomnies, ils sont là prêts à vous répondre. Blouse Blanc de la Sainteté, c'est l'émission qui se penche sur la version chrétienne des effets chimiques biologiques qui se trouvent au milieu de l'humanité, dont
Satan tente d'utiliser certains pans de voile de ténèbres pour pouvoir englober et amener les enfants du Seigneur à le servir sous l'auspice des robes blanches. C'est pour cela que nous sommes là ce soir encore pour parler de ces choses. Et ces choses, et ce soir, nous nous penchons dans la deuxième partie des chrétiens face à l'assurance. Nous allons voir de fond en comble jusqu'où peut-on arriver en tant que chrétien dans l'assurance. Quelles sont les assurances dont les chrétiens peuvent le faire sur la terre? Sont-ils obligatoires? Sont-elles obligatoires? Et si c'est obligatoire et que c'est contre la volonté de Dieu, que faire? Ce sont les questions dont nous allons nous pencher ce soir. Installez-vous confortablement. La sœur Reine, tu as la parole. Oui, de ce que je puisse me souvenir, parce que ça fait quand même longtemps qu'on a fait, qu'on a parlé de ça. Donc, on avait initialement commencé par définir les différents types d'assurance, parce qu'on avait vu qu'il y avait plusieurs branches dans les assurances vie, à savoir les assurances obsèques, les assurances vie proprement dites, donc, et que ça différait en fait de chaque pays. Et voilà, et donc, et nous avons aussi abordé le fait que est-ce que vraiment, on avait commencé à débattre sur le fait que, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, donc en tant que chrétien, est-ce que cette assurance-là était nécessaire ou est-ce qu'il fallait le faire en fait? Et chacun ici a essayé de débattre chacun sur l'utilité et on a parlé du fait que probablement ces assurances aussi ont dû naître dû au fait que voilà, il y a eu des situations où les gens se sont retrouvés dans des situations compliquées comme ici en Europe, que peut-être je sais pas un exemple, quelqu'un reste sa maison brûle ou voilà, il n'avait pas eu d'assurance. Est-ce qu'il peut-être a motivé ce qui a motivé peut-être la création ou l'invention, je ne sais pas quel est le terme juste, de ces assurances-là. Et on s'était, si je ne me trompe pas, on s'était quitté sur la question à savoir, est-ce que de nos jours, vraiment, ces gens, quand ils ont pensé à ces assurances-là, est-ce que c'était vraiment parce qu'ils s'inquiétaient pour la vie des gens ou est-ce juste une manière de soustraire de l'argent ou de voiler des gens en leur vendant des rêves, en leur disant que voilà, si vous ne faites pas ci, parce que ces gens-là, à noter que quand ils nous approchent, ils utilisent toujours des situations assez dramatiques dans la vie qui pourraient arriver. Par exemple, si un accident de la route arrive, comment est-ce que votre famille, si vous êtes encore étranger en Europe, comment est-ce que vous allez rapatrier le corps? On avait discuté de ça et on s'était posé la question de savoir ce qui se cachait derrière ces entreprises-là. Est-ce que c'était vraiment juste, vraiment parce qu'ils s'inquiétaient de la vie des gens, ou c'était juste, voilà, une manière de... Et moi, je pense que quand on s'est arrêté, moi, j'étais en train de donner un exemple, un témoignage que moi, j'ai vécu à l'hôpital, donc de quelqu'un qui est arrivé d'un pays du Maghreb, et moi, je l'ai reçu, et elle était déjà venue à la veille, cette patiente, et elle n'avait pas d'assurance en Belgique. Donc, elle venait juste en Belgique parce que dans le pays du Maghreb, la médecine ne pouvait pas l'aider. Donc, elle est venue ici pour se faire aider parce qu'elle avait un cancer. Et donc, moi, la directive qui m'avait été donnée, c'était que cette patiente ne doit pas être hospitalisée, sauf vraiment si sa vie est en danger. Pourtant, ce qu'elle avait, n'importe quelle patiente qui serait venue ce jour-là, on l'aurait quand même gardée pour poursuivre en fait la prise en charge de cette dame. Et donc, moi, à contre-cœur, je l'ai renvoyé en lui disant que, bah, écoutez, moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, dans le sens où je ne veux pas me laver. Et je disais, je me souviens de son neveu qui m'avait dit, de vous à moi, si c'était quelqu'un d'autre, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous l'aurez laissé rentrer ou vous l'aurez quand même pris en charge? Et comme cela ne suffit pas, c'est toujours entre tes mains que ça vient tomber, ces choses, ces genre de cas, n'est-ce pas? Que tu veux nous partager dans les blouses blanches de la sainteté. Voilà, donc je crois qu'on a parlé, on était en train de devoir débattre de ça et la connexion avait lâché, quoi.
Mais là, sur ce cas-là, je pose la question, pourquoi ces gens qui viennent en Afrique avec les mains séchées pour faire les opérations gratuitement, qui viennent par, au travers de l'OMS pour pouvoir donner des vaccinations tranquillement et gratuitement avec, en compagnie de gouvernements qui subitement aiment tellement les enfants au point où il faut éradiquer la fièvre et le paludisme, pourquoi ces gens-là, justement, vous avez ces mêmes paludes, vous venez à l'hôpital et vous trimballez comme ça? Qu'est-ce qui se cache derrière au juste? Ou mieux encore, qu'est-ce que gagnent les entreprises de l'assurance derrière cette assurance? Que gagnent-ils? Mais pour ma part, déjà c'est un argent, on va dire. C'est un argent que tu investis, sachant que la probabilité que ça arrive, c'est 50-50%. La probabilité que, voilà, que tu fasses un accident ou que tu, voilà, que tu meurs comme ça, c'est 50-50%. Pour ma part, je pense que c'est n'importe quoi. C'est vrai que quand on vit en Europe, on voit ces choses-là, on se dit sans assurance, on ne pourra pas se faire soigner parce que, on va dire chez nous en Afrique, des gens meurent parce que peut-être il n'y a pas un bon système sanitaire. Est-ce que le système d'assurance déjà en Afrique serait bien? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas très bien placée pour répondre à ces questions. Ce qui se cache, moi je pense quand même qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, dans le sens que c'est pas anodin en fait, c'est pas anodin que ces gens nous proposent ces choses-là. Et justement, la dernière fois, ce que j'ai oublié, c'est que tu avais posé la question de savoir est-ce que quelqu'un qui vit par exemple dans la rue, on irait lui proposer une assurance. Absolument. Sachant que cette personne-là, elle n'a aucun, je veux dire, aucun revenu, mais il cible bien les gens. Donc pour ma part, je ne pense pas qu'il se lèverait un matin pour aller voir quelqu'un dans la rue qui déjà n'a pas où vivre, qui déjà n'a pas de quoi manger. On lui proposerait une assurance, même si ça ne coûte qu'un seul euro. C'est vrai, ça ne coûte vraiment pas de grosses sommes. Hein. C'est des trucs comme 5 euros, 10 euros. Maintenant, en fonction de ce que tu peux donner plus. Pour moi, il y a quelque chose qui se cache derrière. Parce que sinon, avec tous, comme tu dis, ils viennent en Afrique, il y a on dit campagne de machin, campagne de ci, campagne de ça. Mais les réels problèmes de fond ne sont pas touchés. On voit le visage des gens en disant on vous offre ça, ça, ça. Et pourtant, en réalité, il suffit de soigner, d'aller à la source et de trouver c'est quoi le problème. Pour ma part, je pense que ce n'est pas anodin. Merci beaucoup. Le frère Gaël, est-ce que le frère Gaël, elle est là? Ou bien il ne veut pas qu'on parle de ses acolytes. Je crois que nous avons quelques soucis. Il y a des soucis là avec l'Italie là maintenant. Ok, c'est bon. Le micro qui refusait de s'ouvrir. Ok, maintenant oui, j'écoute. Oui, je te pose la question. Tu restes dans ton bureau. Au rez-de-chaussée se trouve un sans domicile fixe. Et un monsieur traverse ce centre de monsieur fixe là, celui qui a besoin même justement de protection et d'assurance, celui-là a besoin qu'on l'assure qu'il aura une maison, un de ses jours. On le traverse, on vient te trouver dans ton bureau à toi. On dit, monsieur, on vous propose tel plan d'assurance, voici les papiers, si vous signez, vous serez bien. Après, il vous quitte, il traverse encore ce même homme là-bas et va et le laisse dans la rue. Ces gens-ci cherchent quoi au juste? Ton porte-monnaie ou bien à t'assurer? Et naturellement qu'il recherche le gain qu'il y a derrière ce mécanisme d'assurance. Parce que ce qu'il faut naturellement voir, c'est que les compagnies d'assurance jouent sur le nombre de personnes qui vont assurer. Et je crois que c'est sur cette base-là qu'ils fixent leur prix. Et c'est pourquoi on va constater que les plus grandes compagnies où le même type d'assurance sont généralement les prix plus abordables que les petites compagnies. C'est-à-dire assurance parce qu'ils ont des masses ailleurs. Parce qu'ils ont des masses de personnes qui s'affilient là-bas. Voilà. En grande quantité. Qui s'affilient. Donc, la première chose, c'est le revenu, c'est le gain qu'ils recherchent. C'est les porte-monnaie des personnes dont l'objectif en réalité à la source, ce n'est pas d'assurer les personnes.
Leur but, ce n'est pas de... Donc, quand ils restent, ils ne pensent pas à ta sécurité, à la sécurité de ta famille, de ta voiture, de ta maison, non. Ils ne pensent qu'à se faire des revenus, à se faire de l'argent, et voilà. Donc, ce n'est que cet intérêt-là qu'ils recherchent. Maintenant, c'est clair qu'ils ne vont pas assurer une personne qui ne va rien rapporter. C'est clair que ils ne vont pas le faire, ils ne vont même pas investir, ne serait-ce que leur temps là-dessus. C'est vrai que certains assureurs vont dire, voilà, ils ont des programmes sociaux, ils vont vous dire qu'ils ont des restaurants, de je ne sais quoi, ils vont essayer de mettre sur pied des stratégies pour attirer la compassion des personnes qui sont, voilà, des donateurs, quoi. Et tout ça aussi, ça fait partie d'une certaine politique pour faire entrer le maximum d'argent. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, dans la société, il y a des personnes qui préfèrent se faire assurer par un assureur qu'on croit être sociable, quoi. Il y a un assureur qui investit dans le social. Mmh. C'est dans tout ça, il joue sur les mentalités des personnes. Mmh. Je me dis, voilà, si je vais m'assurer dans telle entreprise, cette entreprise-là, je me suis rendu compte qu'ils offrent à manger aux pauvres, ils font ça. Et donc, en faisant cela, ils attirent la compassion d'un certain nombre de personnes. Mais au fond, et c'est la même chose qui se passe dans le secteur pharmaceutique, au fond, à bien observer, ce n'est pas la santé ou alors l'assurance ou alors le bien-être, c'est le gain. C'est ça le maître mot, gagner. Et justement, des entreprises, des grandes firmes pharmaceutiques sont dénoncées par des amateurs de théories du complot, de comploter, de créer des virus dans des antidotes et puis des virus dans des laboratoires pour pouvoir manifester et avoir la licence de produire les antidotes afin d'avoir les gens. Donc, ça veut dire que des êtres humains sont devenus les cobayes pour des personnes aux essais de leur clinique, ainsi de suite, n'est-ce pas? C'est ça. Malheureusement. Ils nous proposent des maladies, ils nous proposent des médicaments, ils proposent l'assurance. Pour cette maladie, elle nous tue. Ils proposent même le cercueil et qu'ils vont bien nous enterrer. Pas vrai, frère? C'est grave, frère Junior, de voir à quel niveau les assurances. Je crois qu'il y a un autre but qui est visé, c'est celui de faire croire à l'homme qu'il peut vivre comme il veut de façon indépendante des autres. Je veux dire quoi? L'assurance détache, ça dissout un peu le tissu social. Dans le sens où un parent, par exemple, qui sait qu'il a mis de l'argent pour ses enfants, il s'en fout même de la relation que ses enfants vont avoir avec les oncles, avec les cousins. J'ai connu un monsieur ici, il n'est pas dans la même ville actuellement, mais on s'est connu à Udine, c'est toujours ici en Italie. Lui, il n'a plus personne dans sa famille, dans le sens où ses parents sont décédés. Il m'a dit qu'il n'a pas de frères, il était le seul enfant. Et au lieu de rechercher les frères, les cousins éloignés, il m'a dit qu'il a déjà payé son assurance pour sa mort. Donc, le jour où il meurt, l'entreprise des pompes funèbres connaît déjà que telle personne s'était assurée chez nous. Donc, on va organiser ses obsèques sans famille. Donc, il préfère payer l'assurance et oublier que de dire, je vais chercher les cousins. Il ne veut pas prendre du temps, en fait, pour chercher les membres de sa famille, qui, naturellement, existent. Il doit encore avoir des cousins et des cousines ici, mais il s'en fout. Il dit, non, je vis ma vie, je paie l'assurance, ils vont faire mes obsèques quand je vais mourir. Donc, je crois qu'il y a aussi cet objectif-là, c'est de dissoudre tout cette... De rendre les personnes les dislocations, indépendantes. Les dislocations familiales. Voilà. Ouais. Et aussi des meurtres lorsqu'un enfant sait, comme on a vu dans des cas de films et des vidéos, des cas des enfants ou mieux encore des femmes qui ont assassiné leurs parents et leur épouse et leur époux parce qu'ils ont constaté que il était question de l'assurance vie, l'assurance qu'ils recevraient au cas où leurs parents ou bien leur mari était décédé. Alors, on monte des stratagèmes pour pouvoir tuer ces derniers, pour pouvoir prendre cet argent. Ouais, malheureusement, c'est ça, effectivement. Des choses pareilles, c'est des choses qui ne devaient même pas monter dans l'esprit d'un enfant si les parents n'étaient pas riches et s'ils n'étaient pas assurés. Donc, ils en profitent, quoi. Je crois qu'il y a tout ça.
il y a tout ça qu'il gagne. Et à la base, ce n'est rien d'autre que cela. C'est rien d'autre que ça. Écoutez attentivement donc maintenant ceci. Écoutez cette sonnette d'alarme, vous qui m'écoutez. Le Saint-Esprit dit qu'il y a une contamination dans les hôpitaux qui vont s'étendre et vont faire grand bruit. Et ça, c'est dans un hôpital de l'Europe. Un grand hôpital de l'Europe, c'est noté ici. Ceci est fait à cause d'une expérience qui va mal tourner et cela va faire vraiment grand bruit. Donc, il y a une contamination qui va traîner et des gens seront... On va barricader et les gens, et ça va toucher même à l'extérieur de cet hôpital, si ce grand hôpital qui se présente là devant nous maintenant, là qu'on est en train de parler. Ça, c'est en Europe. Je crois que la prochaine séance, il faut qu'il revienne sur ça pour qu'on regarde le pays exactement où ça se trouve, ou si le Saint-Esprit permet que j'en parle. Donc, il y a une contamination qui va se multiplier à une grande échelle, dans une zone bien déterminée, où on va mettre la quarantaine. Les journaux vont en parler à cause d'une contamination. C'est une manipulation qu'on a fait dans le laboratoire qui va mal tourner. Ça va mettre au goût du jour ce qu'ils sont en train de faire dans les ténèbres pour pouvoir contaminer les gens. Dans cet hôpital, ce qu'ils sont en train de regarder. Ça arrive là. Voilà, je crois que je m'en suis séparé là maintenant. Cela dit, je crois que ce serait bien que nous abordions maintenant l'aspect biblique de la chose en commençant par le livre des Proverbes au chapitre 1, le verset 33. Ce serait bien donc que nous lisions, n'est-ce pas? Où est le frère Yassine? Il est en train de manger ou bien? Présent, je suis là. Voilà. Mais je crois que nous allons lire ce Proverbe chapitre 1, le verset 33 là. Et là, je vais poser une question donc qui est déjà sous-jacente à toutes les autres questions que nous avons posées ici. Vous pouvez prendre cela. Donc, je crois que vous avez suivi cela. J'espère que ce n'est pas dans vos hôpitaux que ceci va être. Parce que les médecins seront contaminés. Ça va faire tuer des patients. C'est un patient qui y avait été déjà. Parce qu'ils ont fait des essais bizarres avec des manipulations à l'intérieur. Que le Seigneur vienne nous chercher vite dans cette terre-ci. Qui va nous lire donc cela? Quand le frère Gaël, son téléphone, sa connexion est bonne là et le son est aussi bon. Ok. Je vais lire Proverbe chapitre 1, frère. Mm-hmm. Alors je lis entièrement ou bien je. Le verset 33. C'est ok. Verset 33. Ou bien 32 et 33. C'est intéressant. Ok. Proverbe. Attendez un instant. Proverbe chapitre 1. Téléphone qui dérange. Courage. Verset 32 et 33. Il est écrit ceci. Car l'égarement des sots les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute habitera en sûreté et sera tranquille sans être effrayé d'aucun mal. Voilà. Je crois que le frère Cyril également peut lire autre version aussi. N'est-ce pas le frère Cyril? Tu dis que l'autre version. Oui. J'ai ici là. Lui, il a la version du français facile, français courant. Moi, j'ai le français, je ne sais pas quel français. Compliqué, hein. Lis quand même, mon frère. À partir du verset 32. Oui, 32 et 33. Et donc, car l'apostasie des stupides les tue. Bien sûr. Et la postérité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans craindre aucun mal. Voilà. Le frère Yassin lit aussi dans sa version. Donc, je crois que les passages sont bien positionnés pour parler de ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Car la résistance des stupides. Et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. Voilà. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Ici, on voit effectivement, on voit que Dieu dit
que l'être humain a quelque chose à faire pour vivre dans l'assurance, sans craindre aucun mal. D'où ma question, parce que c'est là, au niveau de la crainte du mal là, qui me pousse à poser la question, pourquoi les gens vont s'assurer ou bien subissent toujours de cette influence d'assurance? Qu'est-ce qui se cache derrière? Oui, ça c'est le réveil, ça. Oui, oui. En fait, même le point, c'est quoi, mon frère? C'est que, en Dieu, même l'argent là, parce que le frère, il a parlé de l'argent là. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est que quoi? C'est qu'on veut mettre Dieu de côté. Oui. C'est le, c'est ce qui est la source de toutes ces assurances là. On veut mettre Dieu de côté. Voilà le but des assurances. On veut mettre Dieu de côté. C'est-à-dire qu'on veut te dire que non, on le croit que dans ce Seigneur qui te protège, on met quelques centimes à côté. Comme ça, si jamais X, Y t'arrive, alors on va prendre soin de toi. C'est-à-dire que le Seigneur n'est plus capable de prendre soin des gens. Maintenant, il faut que ce soit les assurances qui prennent soin des gens, la sorcellerie. Mais quelqu'un te dira que Dieu n'a pas demandé qu'on ait sauvegardé. Dieu a demandé qu'on sauvegarde sur la terre. Que ce n'est pas un péché. Que ce n'est pas un péché de seconder, de faire dans le pays, dans l'assurance, que ce n'est pas un péché. Que ce n'est pas un péché comment? En s'assurant comme ça dans tous les sens du terme. Ah bon, hein? Oui. Et là, tu as de démontrer effectivement, et quelqu'un a dit ici que lorsqu'on s'affilie avec les assurances, parce qu'ils savent effectivement qu'on a 50% de chances qu'on ne fasse pas l'accident ou bien qu'on fasse l'accident. Pour le cas de l'assurance des véhicules et autres. Quand vous faites l'assurance incendie de votre maison, vous avez 50% de chances que ça arrive ou 50% de chances que ça n'arrive pas. Et Dieu dit ici que cette crainte-là, si on le suit, on écoute sa parole, on va vivre dans l'assurance, il n'y aura aucune crainte. Et on voit en toile de fond que ce sont ces craintes de ces 50% des choses mauvaises qui poussent les gens à courir, à avoir besoin de ces assurances-là. Alors la question c'est, est-ce que ce n'est pas le fait que les gens enlèvent leur confiance et leur relation entre les mains du Seigneur pour les mettre justement dans le mammon dont il est question ici. C'est la question. Mais c'est ce que je dis tout à l'heure là. C'est-à-dire, parce que même le fait de confier, je veux dire, c'est une chose qui sont incalculables, c'est un imprévu à l'assurance. C'est parce qu'on veut aussi protéger son jeton. Parce que si ta maison brûle et tu n'as pas l'assurance, ça ne sera pas facile pour toi de rebâtir et de restructurer. Parce que tu vas reconstruire, ça va te coûter cher. Et même peut-être reconstruire pour le voisin au cas où tu n'as pas l'assurance. Si ton incendie aussi cause des dégâts là-bas. Tu as causé des dégâts sur le voisinage, les frais vont t'engager. Sans compter que vous qui êtes en Allemagne, si vous brûlez l'arbre planté par la mairie ou bien par la communauté, tu payeras cet arbre-là également. Tout ce qui engage les biens publics et consorts et les dégâts occasionnés par la salle de ta maison, tu vas payer. Okay. En fait, indirectement aussi, c'est pour te protéger financièrement. En fait. Ça veut dire que c'est même plus le Seigneur le pourvoyeur en fait des finances, mais en fait tout est maintenant reposé entre les mains de l'assurance. En fait, sans couper moi, je crois que par exemple, à mon avis, je crois qu'on peut faire un peu loin. Parce que je me demande cela, je me dis que pour moi, je crois que le problème c'est qu'on ne connaît pas Dieu en fait, à mon avis. C'est, on ne connaît pas Dieu parce que c'est une chose de connaître Dieu et de poser certains actes. Et c'est une chose de poser certains actes et de parler de Dieu. On peut parler de Dieu. Parce que, comme tous les frères l'ont déjà dit, je crois qu'au fait, l'homme, parfois dans son cœur, cherche la stabilité. L'homme cherche la stabilité. Et on croit généralement que c'est à travers toutes les assurances, tout ce qu'on pose là, qu'on aura une stabilité dans la vie. Et malheureusement, la vie ou les épreuves
de la vie ou les situations de la vie nous montrent généralement le contraire. Et c'est pour cela que celui qui a déjà fait une assurance vie continue à faire l'assurance mort, continue à faire l'assurance ceci jusqu'à ce que finalement lui-même ne sait plus ce qu'il assure. Donc je crois que, à mon avis, c'est qu'on ne connaît pas vraiment Dieu. Parce que, comme quelqu'un prend souvent un exemple, il te dit, si et ton fils te dit, ne te fais pas de soucis d'argent, tu connais qui il est. Donc, si on avait connaissance que c'est ce Dieu-là qui pourvoit dans la plénitude et tout, c'est qu'il y a certains actes qu'on ne poserait pas. Mais je crois, à mon avis, d'après les petits, donc tout ce que les frères disent, ça, c'est effectivement ça. Et aussi, le fait qu'on ne connaisse pas qui est Dieu. Parce que c'est comme quelqu'un qui habite chez Foto Victor, un exemple entre guillemets, tu te fais les soucis de nourriture. Nous, qui avons ceux qui connaissent ce Dieu-là et qui posent ces actes, la question c'est est-ce qu'on le connaît vraiment tel qu'il est. Donc, et ensuite, bon, c'est clair, ne le connaissant pas, donc il y a des actes composés, puis on se croit vraiment, on croit qu'on a atteint cette instabilité. Ouais. Mais c'est pas le cas. Donc, d'après ce que tu viens de dire, c'est la non-connaissance de ce Seigneur-là et par conséquent, le fait qu'on n'a pas de relation avec lui qui fait que les gens puissent aller chercher des relations quelque part pour se protéger comme cela ainsi. À mon avis, quand j'observe la chose, je me dis vraiment c'est ça. Parce que quand je prends déjà du côté humain, du côté humain, prenons le cas de quelqu'un qui a un travail et qui a un salaire régulier. Le jour où ça n'arrive pas, tu sens comment il est un peu agité, tu sens comment il y a des trucs. Maintenant, la question fondamentale, c'est que si tu travailles chez quelqu'un, ou bien si tu es chez quelqu'un que tu sais qu'il est impossible que ton salaire ne parvienne pas ou ne t'arrive pas à la fin du mois, tu ne peux pas te faire de soucis. Donc, c'est la même chose que je me dis que vraiment, c'est qu'on ne connaît pas ce Dieu. On ne connaît pas ce Dieu. On a entendu parler de lui, mais on ne le connaît pas. Bon, quand dit, on comprend ce que Dieu dit. Exact. Les gens qui arrivent, ne le connaissent pas vraiment dans sa puissance, ce qu'il est capable de faire. Oui, et par conséquent, et l'homme se confie en ses propres forces et à ce que les êtres humains peuvent lui proposer, puisqu'il ne voit pas au-delà de ses forces. Oui. Avant de lire certains passages de la Bible encore pour pouvoir accentuer, je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent maintenant et qui ont écouté les deux noms dont a fait mention notre frère maintenant, Fosso Victor et Samuel Eto'o. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, Fosso Victor, c'est l'un des milliardaires du Cameroun qui récemment a fait la une des journaux camerounais parce qu'il a offert 1 milliard de francs CFA pour construire une basilique chez les catholiques et qui est sociétaire de plusieurs banques et tous les autres multinationales qui se trouvent dans l'Afrique centrale et même ailleurs dans tout l'étendue du territoire camerounais. Et le garçon appelé Eto'o, dont il a encore mentionné, était notre milliardaire qui a brassé des centaines de millions d'euros à partir du football. Il a été notamment sociétaire de Mallorca, de FC Barcelone, en passant par la Cardiff Sport Academy où il a commencé à son jeune âge. Et maintenant, il se trouve sociétaire d'un club du côté de la Turquie et récemment nommé comme le conseiller le président de la CAF, Hama Ahmad. Et par ailleurs, il est ambassadeur de l'UNESCO. Donc, et quand il fait mention, c'est pour que vous compreniez effectivement la dimension de la personne dont je viens de parler. Maintenant, frère, nous revenons dans la lecture, justement, puisque nous sommes dans le livre des Proverbes. Je propose également que nous faisons un halt dans le chapitre 3 de Proverbes. Du verset 5 jusqu'au verset 26, et nous allons analyser ce que Dieu nous attire, puisque tu parlais du fait que les gens n'ont pas confiance en Dieu. Nous allons prendre ces passages et nous allons essayer de débattre, enfin pas débattre, d'essayer d'épiloguer pour pouvoir ressortir de ce que le Seigneur veut que nous comprenions là-bas. Chapitre 3 du Proverbe, verset 5 à 26. Je suis à l'aise avec les médecins et ce soir, pour une fois, j'ai porté le blanc comme eux, sans être dans la blouse. Mais nous sommes ensemble dans la blouse blanche dans la synthèse ce soir. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens
et avec les prémices de ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mieux. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages, dit-il, arrosés. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton pied. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera à ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bien fait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Amen. Je crois que tu as fait un substitut. Tu as ajouté un verset de plus. Voilà le commentaire. Je crois que les choses qui sont dites dans ces passages, si justement nous plante le décor véritablement pour entrer en profondeur dans le thème dont nous voyons ce soir, chrétien face à l'assurance. N'est-ce pas, la sœur? Bien entendu, mon frère, pendant tout est clair. Pendant qu'il lisait, je prenais des notes avec des points saillants dans des versets, et des points différents. Je crois que vous en avez fait autant et aussi partagé maintenant. Prends la parole. And don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles, they don't last away. Je crois que nous avons eu une interruption là où vous avez dit, côté, n'est-ce pas? Je crois que nous avons eu une interruption là où vous, comme vous avez pu constater, n'est-ce pas? Oh, Tano. À tous. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'était la sœur qui parlait. Moi, je pense que ce qu'on a lu, ça dit tout. Donc, en soi,
Pour être bref, c'est l'assurance, en fait, ça se trouve dans le Seigneur. Parce qu'en se confiant au Seigneur, on dormira tranquille sur nos lauriers. En fait, on ne manquera de rien. Il prend soin de tout, en fait, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan financier, surtout, en fait, surtout. Et c'est ce qu'on devrait, vraiment rechercher. Ça veut dire se confier à lui, comme il l'a dit au tout début du verset qu'on a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, en soi, cette assurance-là que les gens cherchent ailleurs, ça se trouve dans le Seigneur. Parce que même si on aura tout, on aura beau donner de l'argent pour couvrir, parce qu'il y a des gens qui font une même assurance maladie, mais il y a des maladies que même si tu es assuré, quand ça t'atteint, quand les médecins disent que c'est bon, c'est bon. Oui, là, je te pose la question, ma sœur. Quelqu'un qui est en santé, court pour aller s'assurer au cas où il y a la maladie. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire concrètement? En fait, il est déjà en train d'attirer la maladie sur lui. Il est déjà en train de... Je veux dire, c'est dire que tu es en santé et aller chercher quelque chose qui n'est pas... C'est comme le frère Yassine me disait tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose. En fait, on cherche quelque chose. Il y a quelque chose que les gens cherchent. Ils pensent que ça, on trouvera ça en faisant ces différentes choses-là. Mais au fond, il y a vide. Au fond, on recherche quelque chose. Il y a des gens qui ne savent même pas que Dieu existe. Donc, avant même de savoir, de connaître ce Dieu-là, il faut déjà savoir qu'il existe. Il y a des gens qui refusent ça. Mais je pense que l'être humain, a besoin, il cherche quelque chose. Et ce quelque chose-là, en fait, ça se trouve en Dieu. C'est ça que les gens recherchent. Pour ma part, c'est ça, en fait. Et le verset 26, qu'est-ce que ça dit au verset 26? Le verset 26 dit, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire concrètement, mon sœur? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, moi je comprends ça comme dans le Seigneur, tu n'as peur de rien. Rien ne peut t'atteindre en fait. Tu ne crains rien avec le Seigneur. Oui. Frère Gaël voulait parler. Merci ma soeur pour cette analyse majestueuse et somptueuse. Bon, je crois que dès le départ, le texte que nous avons lu dès le départ est en lui-même sa place, ça nous remet sur le chemin, quoi. Dieu dit, dès lors qu'il est écrit que nous devons nous confier dans le Seigneur plutôt que dans notre propre intelligence, parce que je crois que c'est sur cela que les assureurs jouent. C'est sur ça qu'est basée l'assurance en soi-même. C'est-à-dire, si les hommes n'étaient pas doués d'intelligence, de réflexion, de peur, ils n'allaient pas s'assurer. Et donc, dans le texte que nous avons lu, il est clairement dit de nous confier dans l'Éternel plutôt que sur notre propre sagesse, plutôt que sur notre propre intelligence. Je pense que c'est cette intelligence-là, naturellement, ici, la question de l'intelligence de l'homme, l'intelligence de la chair, c'est cette intelligence-là qui pousse les personnes à vouloir rechercher cette assurance, à vouloir rechercher la tranquillité. Parce qu'elles n'ont pas cette tranquillité-là naturellement, quoi. Elles essaient donc d'avoir un support sur lequel s'appuyer pour dormir tranquille. Et bon, leur intelligence les pousse à investir une partie de leur argent dans les assurances. Moi, je crois que ce verset-là, il m'a particulièrement marqué, quoi. Se confier entièrement sur le Seigneur plutôt que sur notre propre intelligence. Et c'est valable autant pour l'assurance que pour les autres aspects de la vie que nous avons eu déjà à partager ici même sur cette plateforme. Et donc, si l'homme se confie sur le Seigneur et non sur son intelligence, il évitera non seulement les assurances, mais les choses comme... On avait parlé une fois de la contraception. C'est pareil. C'est parce que l'homme a son intelligence, il a la peur
c'est l'intelligence de la chair qui pousse l'homme dans ces choses, quoi, dans ces travers. Donc c'est valable pour tout cela. Le frère Yassine. Je crois qu'on n'entend pas bien le frère. Le frère. Mais vous écoutez maintenant mieux. Saint sur saint. Ok. J'ai dit, le verset donne quelque chose, demande quelque chose au préalable. Donc, parce que il dit quelque part ici, il dit quelque part de garder. Il demande ici qu'on garde cette parole, au fait. Mon fils, que cet enseignement ne s'éloigne pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Et on se rend au finish compte que c'est effectivement en gardant les choses qui nous sont données par la grâce du Seigneur qu'on peut arriver à renoncer à certaines choses, qu'on peut arriver à s'attacher à lui. Mais il faut au préalable que ce soit véritablement des choses de grâce qui nous soient données pour que nous puissions nous attacher à ça et pouvoir rejeter toutes ces choses. Parce que dans le monde où on vit, tu vas te rendre compte, je me souviens une fois, j'étais avec mes collègues dans une salle. Chacun parlait de la meilleure assurance qu'il a, il est assuré au privé, il a assuré cela. Au fait, ils étaient en train de convaincre une étudiante qui venait étudier chez nous. Après, moi, j'ai dit à voilà, ils ont tellement parlé des milliers d'assurances pour voir comment communiquer plus ici. J'ai dit à la jeune fille que le jour où tu seras malade, j'ai une meilleure assurance pour toi. Viens seulement me voir le jour où tu auras un problème. Je vais te dire, je vais te donner cette assurance, je vais te montrer cette assurance-là. Donc, je pense finalement que pour qu'on puisse s'en sortir, bien pour que ces choses ne puissent pas être l'objet. Qu'on n'ait pas de peur, en fait. Il faut qu'on ait vraiment cette parole dans notre cœur, cet enseignement dans notre cœur. Et qu'on garde cet enseignement parce que c'est ça qui nous soutient, c'est ça qui est notre réconfort. Et le père, les frères l'ont dit, c'est que l'homme cherche quelque chose de stable, l'homme cherche quelque chose sur lequel il peut s'appuyer. Et le vrai appui, c'est quand Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là où tu peux dormir en paix. La verset dit que si tu te couches, tu seras sans crainte. Mmh. Tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Mais la condition, c'est quoi? Mon fils, garde ses enseignements et que ces enseignements ne se loignent pas de tes yeux. Mmh. Garde la réflexion. Mmh. Et c'est ensuite que seront la vie pour ton âme. Si tu marches, tu auras l'assurance, tu seras sans crainte. Tu ne redouteras rien de soudain. Tu ne redouteras rien de soudain. Mmh. Donc, c'est tant de choses. Mmh. Ah, je crois que nous avons encore une autre interruption là. Vous m'entendez là? Ça s'est stabilisé encore. Vous m'entendez là? Troubles may not last always.
fait pas ce qu'elle dit. Là, ça qui passe bien. C'est compliqué. Pas facile. Voilà, je suis encore connecté. Dans le livre des Proverbes, au chapitre, joint à ce que nous venons de lire, dans le livre des Proverbes, justement, au chapitre 10, la partie A du verset 9 dit justement que celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. N'est-ce pas les excès de fraude également qui sont sur nos cœurs, qui est sur le cœur des êtres humains, qui poussent aussi à ce qu'ils puissent mettre leur sécurité dans des endroits frauduleux, tout comme leur cœur, puisque la Bible déclare dans cette partie A du chapitre 10, verset 9 des Proverbes, que c'est pour que quelqu'un marche dans l'assurance, il faut qu'il soit dans l'intégrité. Est-ce que les gens sont prêts donc à marcher dans l'intégrité, puisque à l'entame d'ici de notre émission, nous avons vu dans fait divers comment quelqu'un qui a certainement une entreprise de pharmacie fait des faux médicaments, des fausses factures pour pouvoir se faire payer justement cela. Qui prend alors? Oui, la sœur veut prendre elle veut prendre. Mais mon frère, marcher dans l'intégrité, il faut déjà avoir une certaine valeur, il faut déjà savoir c'est quoi marcher dans l'intégrité. Nous, aujourd'hui, on sait qu'on marche dans l'intégrité, mais est-ce que tout le monde, c'est ça, comme tu disais, dans les faits divers, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est vrai qu'ici, on parle des chrétiens, on parle des enfants du Seigneur. Un enfant du Seigneur doit marcher dans l'intégrité, parce que c'est clair que si tu ne marches pas dans l'intégrité, le Seigneur ne sera jamais avec toi, jamais. Donc, ce que le monde fait, voilà, c'est le monde. L'intégrité, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de... Déjà, même quand tu es enfant du Seigneur, marcher dans l'intégrité, c'est très difficile, parce qu'on a toujours, des compromissions, il y a toujours... des tentations quelque part. Comme par exemple dans des industries pharmaceutiques où on débourse des grosses sommes d'argent pour refaire des expériences et tout le reste. Là, elle, il en sait quelque chose. C'est des endroits où, quand on se retrouve, on veut toujours faire des choses pas très correctes. Cette intégrité-là, c'est pas déjà facile de l'avoir, mais personne n'est prêt à marcher dans l'intégrité quand il s'agit de. Voilà, quand il s'agit de sa part, quand il s'agit d'avoir profit de quelque chose. Personne ne veut marcher dans l'intégrité, c'est justement ça le problème. Voilà, dit qu'on n'est pas à marcher dans l'intégrité, pour ma part, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui. Déjà, je pose la question sur une autre forme. Lorsqu'on lit les Saintes Écritures, et on compare l'époque que nous vivons maintenant, on a quand même pression, et je crois que c'est la pensée de beaucoup d'autres personnes, maintenant. Les gens ne prennent pas les photos des temps anciens en pensant que ces personnes qui ont vécu sur la terre ne sont pas les premiers. Et ils ont eu des réalités et des différentes confrontations dans les difficultés sociétales dont ils ont eu durant leur période. Pourquoi ces personnes-là, parlant des chrétiens principalement, pourquoi les chrétiens tels que nous lisons dans le livre des Romains au chapitre 8, verset 38 et 39, où Paul l'apôtre dit effectivement que j'ai l'assurance que ni la mort, ni le quoi que ce soit, ni aucune autre chose ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Et dans le livre des Hébreux au chapitre 4, verset 16, il dit qu'on s'approche du trône de grâce avec assurance pour être secouru dans nos besoins. Dans le chapitre 10, verset 35, il dit qu'on ne s'éloigne pas de cette assurance, qu'on garde ferme cette assurance à laquelle nous sommes appelés là, auquel attacher une grande chose. Tant de versets qui parlent que les chrétiens parlaient avec assurance. Et même des gens du monde vivaient, chacun s'accrochait sa petite vie dans une assurance certaine. Pourquoi c'est seulement cette génération de manque de foi qui s'accroche sur de l'argent, sur le pognon? Pourquoi? Est-ce qu'on pourra dire que c'est une génération qui a régné Dieu en prenant le Dieu maman? Au fait, je me souviens d'un verset qui dit « Tu entendras
derrière ton oreille une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Mmh. Car vous irez quelque part à droite ou à gauche. Au fait, pour dire quoi par là? Pour dire par là que aujourd'hui, on est vraiment, comme tu dis, conduit par une pensée qui nous amène à un gain excessif. C'est toujours une pensée de gain. Comment faire le gain? Comment avoir? Comment... Donc, c'est vraiment Mammon qui nous dirige là, comme dans le sens du terme. Ma sœur a très bien répondu à une question ici qui a été posée, à savoir quand... Oh, Seigneur, Jésus, aide-moi. Quand on dit à quelqu'un, quand on pose la question de... Quand tu as posé la question de savoir cette femme qui était malade là, dans son hôpital, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Et puis, tu as aussi posé la question de savoir ces organismes, ces ONG qui viennent chez nous là. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils font? Non, tu as bien te dit que ces ONG qui vont là-bas, ce sont des ONG qui sont financées généralement par des gens. Et nous, la loi, je ne sais pas si la loi est la même dans ces pays-là. Par exemple, ici en Allemagne, quand tu as une ONG, par exemple, il y a une forme d'impôt dont tu ne payes pas, en fait. Donc, tu fais un gain au niveau des impôts dont tu ne payes pas. Donc, je crois que quand on part dans les œuvres caritatives, ça fait qu'on soit exempté de certains impôts. Exactement. Mmh. Exactement. Donc, il y a tellement de mots. Et aussi, ceux qui vont dans les pays-là, ils gagnent aussi excessivement d'argent. Mmh. Ce n'est pas comme si c'est... Ils ont intérêt que ça marche toujours comme ça. Mmh. Parce qu'ils gagnent aussi de l'argent. Il y a aussi un gain. Naturellement, quelqu'un va te dire, OK, je pose aussi quelque chose de bien. Mmh. Mais la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne font pas quelque chose qui va durer. Mmh. Ils viennent pour un moment, ils reviennent encore l'année prochaine, ils reviennent l'année suivante, mmh, parce que ça leur apporte quelque chose. Donc, c'est... Je crois que ton analyse nous conduit à voir un de ces thèmes encore ici, la bonne foi des Médecins Sans Frontières et la vaccination des masses en Afrique et les conséquences, le plan diabolique et les conséquences. Donc, je crois que nous allons voir ce thème-là ici. Nous allons voir ce que c'est que les vaccinations qu'on amène, c'est une chose. Et je crois qu'il y a beaucoup de groupes de médecins qui sont retirés et qui ont effectivement dénoncé cet état de choses-là, en parlant, en créant un scandale, le plan de destruction des masses et de stérilité du continent africain, parce qu'on parle de boom démographique qui, d'ici 50 ans, pourrait envahir la population. Et comme on a de voir le réveil en Afrique, ils ont peur que l'Afrique domine le monde. Mais les voilà justement enfuis dans les hôpitaux, progressant, subissant des tests, ayant des diplômes, et bientôt ils vont gouverner le monde. Les voilà, les chrétiens, les blouses blanches de la sainteté, l'échantillon se trouve ici ce soir. Alors, dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 14, la Bible déclare que nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La Bible nous dit ici que nous devons garder l'assurance que nous avons en Christ, compter sur Christ chaque jour. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans un bateau de croisière que les apôtres avaient au temps du Seigneur Jésus-Christ, marchant sur les eaux, les fougues de l'ouragan ont fondu sur le bateau. Le bateau n'avait pas d'assurance. En tout cas, Pierre n'avait pas d'assurance sur ces bateaux-là. La Bible déclare que la barque devait échouer quelque part avec ces fougues des mers qui frappaient au-dessus. Jésus a montré qu'il était le vrai assureur. Il n'a pas vous dit que ça se casse, il va construire. Il s'est levé, il a dit à la mer, silence. Pour dire, quelles qu'en soient les péripéties que nous sommes en train de passer dans la vie, on peut effectivement compter sur lui pour qu'il dise silence, pour toutes ces velléités contre lesquelles l'ennemi souffre dans nos vies pour nous pousser de temps en temps au découragement. En fin de compte, dis-moi, où est ton Dieu? Dis-moi, qui est ton Dieu? Et je te montrerai où se trouve ta tranquillité et ton assurance. Tel est le théorème, que dis-je? Tel est le postulat que nous pouvons retenir à la sortie de cette deuxième partie sur les assurances face aux chrétiens. Que ferez-vous maintenant, alors que vous avez vendu votre foi aux choses visibles, tout en appelant le Dieu de la foi invisible? La ligne doit être tracée finalement. Êtes-vous prêt donc à vous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ et comprendre que c'est Christ Jésus, c'est celui dont là, qui se confie à Dieu, qui ne sera point confié, et savoir une fois pour toutes que Jésus-Christ est l'assureur ultime et l'assureur
ultime et l'assureur ultime. Et l'assureur ultime, pour ne pas dire l'assureur suprême. Bonsoir et bienvenue encore pour une première séance et une prochaine séance de Blues Band à la sainteté. Nous laissons les médecins aller se reposer pour prendre des forces demain. Bonsoir à vous. I know that I can make it.